je t'aime. Je te déteste, que je voudrais t'en voler paix. Vraiment tu me prends la tête. C'est bien parce que je t'aime. Que je te déteste, que je voudrais t'en voler paix. Vraiment tu me prends la tête. Yeah. T'as déjà vendu des abonnements par téléphone? Non. T'as déjà vendu quelque chose au téléphone? Non. Bon, t'as déjà téléphoné, oui? J'ai essayé une fois, mais quoi? C'était occupé. Et merde. Mais je vais m'y faire. Bon, ici, t'as une liste de numéros de téléphone. D'accord. Ce sont tous des gens qui sont pas abonnés à notre service de livraison du journal. D'accord. Tu comprends? Bon, tiens, t'as le premier numéro ici, tu le fais? Oui. Et là, on va te répondre et tu vas dire bonjour, je vous dérange pas trop. Oui, oui. C'est parfait. D'accord. Êtes-vous abonné au journal La Voix du Jour? Ça va, je comprends. Là, on va te dire non. Oui, ça va. Et c'est pourquoi il nous ferait plaisir de vous l'expédier chaque jour. Mais ça va, je comprends. Allô? Bonjour, je vous dérange pas trop? Tu me déranges, ouais. C'est parfait. Êtes-vous abonné au journal La Voix du Jour? C'est de la merde, ce journal. C'est pourquoi il nous ferait plaisir de vous l'expédier chaque jour. Ça marche pas ton truc. Mais parfois il y a des durs à cuire, mais tu dois en essayer un autre. Oui. Et cette fois-ci, parle du concours, ça va les intéresser. Le concours? Mais parce que souvent les gens qui veulent pas se faire livrer le journal, ils se débarrassent de toi en disant je le prends en kiosque. D'accord. Alors là, ton argument, c'est si tu t'abonnes, tu participes à un concours. Je le prends en kiosque. Oui, mais il y a un concours. Qu'est-ce que c'est le concours? Qu'est-ce que c'est le concours? On peut gagner un voyage ou un dîner au restaurant Jules Verne. On peut gagner un voyage à Euro Disney avec les restes de Jules Verne. Crétin. C'est un vrai concours, ça? C'est un vrai concours? Mais oui. Mais oui. Qui a déjà gagné? Qui a déjà gagné? Oh, des tas de gens. Des tas de gens. Dis un nom fictif, n'importe quoi. Comme par exemple Monsieur Spock. Elle a pas marché. J'en foutrais des Monsieur Spock. Mais t'as dit de dire un nom fictif. Mais n'est pas fiction. Oh, c'est pas facile, hein. Tu dois être plus rapide que le client. Oui, oui. Tu dois pas lui laisser le temps de dire ou bien qu'il le prend au kiosque, ou bien qu'il le lit au bureau, ou bien qu'il veut pas s'abonner. Allô? Ou bien qu'il le prend au kiosque, ou bien qu'il le lit au bureau, ou bien qu'il veut pas s'abonner. Oh merde. Je t'ai... Je sais, au revoir. Encore un qui a été plus rapide que toi. D'accord, dis tout de suite, j'ai pas de talent. Mais t'énerve pas, essaie-en un autre. Tu parles d'un boulot? Tout va bien aller. Allô? Bonjour. Vous êtes déjà abonné à un journal quelconque? Vous êtes déjà abonné à un journal quelconque? Non. Un quotidien, faut le recevoir chez soi. Quand tu deviens fou, faut recevoir des soins. C'est toute une économie. C'est toi qui déconnes, l'ami? Service express, on va l'envoyer à domicile. Espèce d'enfoiré d'imbécile. Je le prends au kiosque. Donne-moi ce téléphone. Pourriez-vous nous donner votre téléphone, s'il vous plaît? Donne-moi ça. Bon. T'as l'air fâché. Appelle-en un autre. C'est ça, pour qu'ils me disent encore, je le prends au kiosque? C'est normal. Tiens, j'ai une idée. Quoi? Allô? Bonjour, monsieur, nous voulons vous offrir de le prendre au kiosque. Non, je préfère m'abonner. Mais voilà, je vous ai eu. Et merde. Bon. Vous êtes abonné. Ah, tu m'as bien attrapé, petit salaud. Votre adresse? Mon adresse, c'est 64 de la Corniche. Merci, bonjour. Mais c'est génial. J'en laisse un autre. Souviens-toi de cette technique. Oui, allô? Bonjour, monsieur, nous voulons vous offrir de ne pas vous abonner à la livraison de notre journal. Ça ne m'intéresse pas. Alors ça veut dire que vous êtes abonné. Oh putain, je viens de me faire avoir. Je vais vous donner mes coordonnées. Non, ça, vous les prenez, vous les roulez et vous les collez discrètement sous la table. Quoi? Mes coordonnées? Ah, pardon.